J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On a commencé le vlog hier quand Monsieur Sucre me faisait un tout petit déjeuner qui était magnifique. Aujourd'hui, on est mardi le 3 octobre. Il est actuellement 8h16. Je vais préparer mes affaires car je dois aller maquiller sur un plateau de tournage. Je suis trop contente, je suis incroyablement contente, je suis très reconnaissante. En fait, hier soir vers les 22h comme ça, il y a un numéro qui m'appelle, sachant que moi mon numéro du Sénégal, je ne le donne pas à beaucoup de personnes, tu vois. Je ne savais même pas que les gens me connaissaient sur ce numéro là. Il y a un numéro qui m'appelle et puis le numéro me dit voilà, je suis producteur et j'aimerais vous prendre demain toute la journée pour aller maquiller sur un plateau de tournage. Tu vas maquiller une personne, mais tout au long de la journée, tu feras des retouches par-ci, par-là. Et je me suis dit, let's go! Il m'a demandé, tu veux que je te paye combien et tout. J'ai donné mon prix, il n'a même pas discuté. Il a dit, je suis sûre que tu veux ça. J'ai dit oui. Il a dit, d'accord. Donc, je suis en train de voir si je n'ai pas donné un petit prix. Ils sont en train de voir. Mais comme c'est la première fois, je me dis, Audrey, tu ne perds rien, c'est que des trucs positifs en fait. Tu vas apprendre sur la création de contenu, tu vas apprendre sur beaucoup de choses là-bas, tu vas te créer un réseau petit à petit. Mais je vous dis, les gars, le pouvoir des réseaux sociaux. Parce que le gars m'a dit qu'il m'a vu, qu'il a vu mon travail sur internet, tu vois un peu. Je me dis, les gars, créer du contenu. Venez sur Digital Access, je vous forme. Comment créer un contenu impactant? Parce que là, actuellement, sur Instagram, sur TikTok, mon compte ne fait que évoluer. Certes, c'est pas la grâce de Dieu, oui, mais c'est aussi parce que j'ai la stratégie, tu vois un peu. Donc voilà, ne négligez pas ça. Donc là, je vais ranger mes pinceaux. J'ai lavé mes pinceaux hier soir. De toutes les façons, j'avais prévu de laver mes pinceaux depuis. Parce que quand je maquille, j'aime bien avoir des pinceaux propres, tu vois. Je vais ranger tout ça et puis let's go. Si c'est pas encore fait, s'il te plaît, abonne-toi, like, commente et partage au maximum. Je constate que vous ne likez pas beaucoup mes vidéos, mais il y a des vues, il y a des bons résultats de visionnage, mais vous ne likez pas, vous ne commentez pas, alors que c'est beaucoup de travail que je fais en fait, de vous partager ma vie là, hein.
et je vous partage pas que ma vie, je vous partage mon expérience, je vous partage mes astuces. Je pense que je mérite un like en fait. Je pense que je mérite des commentaires. Je le mérite. Donc moi, je veux pas une communauté d'espions. Je veux une communauté engagée avec qui ensemble on va grandir. On va se poser les vraies questions en commentaire. Je vais vous répondre et puis ça va vous aider aussi personnellement dans votre vie. Je ne veux pas les personnes qui sont juste là pour m'optionner. Ah, bref. Good vibes, good energy. Ne les capte pas, ces espions. Alors, rangeons en... Oh là là. So we are coming here with a force, yeah. Blessing the army for we go it's in hand, yeah. Oh, in a rise on boss. Yeah, we give thanks like we need it the most. Yeah, we give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all from the life, man. Mon petit mari d'amour m'a apporté un petit déjeuner. Aujourd'hui, il y a un beau soleil pour faire du contenu. Hein? Très beau soleil. J'ai bien aimé son cœur. Et aussi, elle a défilé. J'ai bien aimé sa manière de défiler, comme d'habitude. Il y avait Kendall aussi. Ouais. Anouk. Quelque chose, oui. Ouais, je reconnais. La mode nigérienne. Oui, quelque chose, ouais. Elle est un peu magnifique. Ouais. Et oui, le défi était incroyable, comme d'habitude. Sinon, toi, c'était quoi tes moments préférés de... Moi, après, tu vois, moi... Une pizza avec beaucoup de fromage et un double cheeseburger. Tu préfères un double cheeseburger? C'est grave, mais c'est bon.
pour nous les femmes. Ah. Alors, en fait, tu vois, je lis cette zone-là parce que moi je vais de ce côté. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu lis cette zone, tu as parlé, t'es ça, tu vois, t'es là, tu marches, oui, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ça, ça et ça. Soupir, machin. Et après, tu te poses, t'es là, tu vois, tu reviens et genre, zigzag. Ouais, et l'ordinateur, tu vois, t'es comme ça, genre, t'es en train d'avoir une sale journée, tu vois. C'est ça le topo. On peut répéter. On répète. Ouais. Ah, quand je te donne un top, tu vas juste entendre, tu vas voir où il y avait la caméra. Fais attention de ne pas y avoir la caméra, les yeux dans la caméra. Je vais donner un top. Quand je te dis top, tu vas te lever, tu as reçu un appel. Donc ton téléphone, tu vas même déjà le poser. Fais-en voir. Room tour. On a quel problème? Room tour. C'est super beau. Attends, j'ai pas vu la salle de bain. Passe de l'autre côté. Attends. Ça fait plus waouh. N'est-ce pas? Ok. On va voir la salle de bain. Ferme la porte. Ok. Efface. 1, 2. Oh my god. Ouais. Tu peux faire mal à la salle de bain. Ok. De salle de bain, si tu vois, ça c'est le genre de ça me va hyper bien. Genre, mais n'est-ce pas, ça te correspond parfaitement, exactement. Ouais. Ouais. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vu la présidentielle, mais bon. C'est trop dommage. Hello mes sucres, on dit quoi? Nous sommes jeudi et c'est journée friperie. Depuis que je suis arrivée ici, je me dis, faut que j'aille en fripe en fait. Mais j'attendais que l'argent entre un peu avant d'aller faire des courses et tout et tout. Donc j'y vais là. Voilà, il est 14h, je vais un peu aller fouiller avant de rentrer rapidement. Travailler avec une de mes clientes et puis retravailler parce que depuis le matin mon ordinateur est là, j'étais en train de travailler, j'ai pas vlogué hier, mardi toute la journée j'étais au Radisson, du coup il y avait des trucs que j'avais prévu faire que je n'ai pas eu à faire. Mercredi je suis restée toute la journée rattraper tout le boulot que j'avais et aujourd'hui jeudi depuis le matin je travaille toujours, mais là je vais faire une petite pause, aller rapidement fouiller la friperie, puis rentrer et continuer à travailler. Dès que je serai posée, je vais vous faire un petit débriefing de ma journée au Radisson. C'était incroyable, c'était trop bien. Mais voilà, allons fouiller la fripe
Ok, sachez qu'ici à Dakar, il y a 3 marchés de l'Afrique, si je ne me trompe pas. Le marché du jeudi, le marché du mercredi et le marché du samedi. Là, je m'en vais au marché du jeudi. Ok, let's go. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi à Dakar. Let's go. Il me faut chercher un sac pour fouiller. Le secret, c'est de fouiller. Le secret. Mes sucres, la frite d'hier était vraiment nulle. Franchement, c'était ma première fois d'aller au marché du jeudi. Mais le marché de mercredi, c'est clairement le meilleur marché pour la frite. Donc voilà les 3 choses que j'ai achetées. J'ai acheté un petit t-shirt comme ça, vert, classique, 300. Un petit top qui est pas mal, qui est très cute. Petit crop top. Attendez, je vous montre bien comme ça. Vous voyez un peu 300. Bon, j'ai pris les deux à 500, donc on va dire 250. Et une robe qui me paraissait bien, mais quand je l'ai essayée, elle était grave moche en fait. Donc c'est ça. Le tissu est très beau, tu vois. Un peu plissé comme ça, mais sur moi, c'est pas joli. 300. Quand j'étais à la friperie hier, je me demandais si la fripe c'est encore pour moi en fait. Parce que avant, à l'époque, je pouvais rester du matin jusqu'au soir à fouiller la friperie. Maintenant, après une heure, j'avais la flemme. Après, je me dis peut-être c'est parce que la friperie du marché du jeudi était nulle. C'est pour ça que j'ai pas accroché, tu vois. Bref, anyway, je pense que mercredi prochain, on va aller à la fripe du marché de mercredi. Et puis voilà, si ça ne marche pas toujours avec moi, je vais arrêter la friperie. Voilà, donc je vais essayer de ranger un peu ma petite coiffure qui est déjà bien vieille. Mais je vous dis que les mèches là sont plutôt pas mal. Malgré que c'était des synthétiques, c'est plutôt pas mal franchement. Donc je vais essayer de faire ma petite skincare routine. Et puis, on va aller acheter des produits skincare parce que je n'ai plus rien du tout. Genre, j'ai plus de gel nettoyant. Je vais vous montrer. Le paquet est même déjà vide et déchiré. Attendez, je vous montre. Il n'y a plus rien dedans. C'est fini. Mon gel de douche, fini. Mon gommage corporel, fini. Tout ce qui me reste actuellement, c'est juste ma protection solaire, crème de visage, ma vitamine C, fini. Pour moi, la vitamine C, c'est vraiment un indispensable. Acide hyaluronique, fini. J'ai juste mon rétinol et c'est tout. J'ai plus grand chose. Donc, du coup, je me disais, on allait aller ensemble acheter les produits skincare. Après, de base, je voulais être livrée. Parce que où j'ai envie d'aller acheter les produits skincare là, c'est un peu loin. Je pense que le taxi va me coûter 2500 comme ça. Aller où tout ça fait 5000. Avec 5000, achète un sérum en fait, tu vois. Voilà. Du coup, je me disais, soit je commande, soit je m'en vais là-bas. Mais pour le vlog, je me dis, c'est mieux d'aller là-bas. Comme ça, vous allez voir aussi d'autres produits. Et si vous êtes à Dakar, vous êtes intéressé, vous pourriez aller dans la boutique là. Donc, rien que pour ça, je mérite un pouce bleu parce que je suis en train de sortir alors que j'ai pas envie. Pas que j'ai pas envie, mais c'est plus économe qu'on me livre en fait. Parce qu'on va me livrer, la livraison sera 2500. Alors que quand je vais aller là-bas, la livraison, quand je vais aller là-bas, je vais dépenser le transport à 5000. Bon, voilà. Il fait extrêmement chaud. Oh, la friperie d'hier, grosse déception en fait. Très très grosse déception. J'ai vu un joli peignoir là. La dame là me dit 6000.
en friperie. Voyez que maman laisse. On ira au marché de mercredi. Si vous êtes à Dakar, dites-moi quel est le bon coin pour vous où il y a la meilleure fripe. Parce que moi, le peu de temps que je suis déjà venue ici à Dakar, je sais que c'est le marché de mercredi. Ouais. Ouf. J'ai un bouton qui sort là. Chaque semaine, j'ai un nouveau bouton. Je ne comprends pas ce phénomène-là. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de baby hair, rien du tout, parce qu'il fait chaud en fait. À peine je serai sortie, les baby hair ont foutu le camp. Donc je me dis, ça sert à quoi en fait? Je viens de rentrer des courses, j'ai pris une douche, j'ai mis tous mes cheveux en haut là parce qu'il fait extrêmement chaud. Je pense que je vais enlever cette coiffure. D'ailleurs, même la semaine prochaine, je pense pas qu'il y aura un weekly vlog, je pense qu'il y aura maintenance routine. La dernière fois que j'avais fait ça, vous avez trop kiffé. Je pense que c'est le vlog qui a eu le plus de vues sur ma chaîne. Mais ça sera peut-être différent parce que l'ancien maintenance routine, c'était dans des instituts et tout. Mais cette fois-ci, on va faire tout à la maison. Tu vois un peu. Donc, activez la cloche de notification parce que ça sera très, très intéressant. Je vais vraiment vous montrer comment prendre soin de vous entièrement à la maison à petit prix. Là, je vous promets, dimanche prochain, ce sera ça la vidéo. Entre-temps, unboxing! J'ai dépensé exactement 100 000 francs CFA. Oui. Oui. Oui, la facture est un tout petit peu salée, mais ça va. Ça va, j'achète des skincare plus cher que ça. En plus de cela, ce qui fait un peu que c'est difficile à passer, c'est le fait que j'ai acheté vraiment presque tout en même temps, tu vois. C'est pas souvent comme ça que je m'organise. Quand je veux acheter des produits skincare, cheveux, bref, tout pour l'entretien de mon corps, je fais vraiment des petits budgets et j'achète au fur et à mesure, petit. Mais je n'attends pas que le stock que j'ai actuellement finisse. Tu vois un peu. Mais là, c'était complètement différent parce que je viens du Cameroun. Je suis venue avec une toute petite skincare routine parce que les produits skincare pèsent énormément. J'ai pas pris des produits de cheveux. J'ai pris vraiment l'essentiel pour ma peau. Quand j'étais à Bamako et que j'allais au Cameroun, j'avais laissé mais tellement de skincare chez ma pote Natacha. Mais elle était trop heureuse. Parce que moi, j'avais vraiment un gros panier comme ça de produits. Mais comme ça pèse énormément et je ne pouvais pas voyager, quitter, déménager avec toute la skincare, sinon j'allais payer énormément, trop de kilos. Donc j'ai laissé presque tout chez elle. Et au Cameroun, j'ai essayé de ne pas faire la même erreur, d'acheter trop de skincare parce que je savais que j'allais voyager. Du coup, j'achetais toujours petit. Je ne faisais pas trop de stock et tout. Maintenant qu'on s'installe, on va apprendre à se réorganiser. Mais pour une première, il fallait vraiment que j'achète vraiment des essentiels parce que je trouve que j'ai même pas pris grand chose. C'est juste que les prix sont un peu chers et voilà quoi. J'ai acheté spécialement dans deux boutiques, une boutique en ligne et l'autre je suis allée physiquement. Ok, la boutique en ligne, elle s'appelle Massibi Chic. Je l'ai découverte sur Facebook
elle fait tout le temps des promos et tout. Donc du coup, j'ai acheté des trucs là-bas vite fait. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. Gommage Saint-Yves. J'ai pris celui-ci, Jergens 6000. Cette crème-ci, c'est une crème de visage à la vitamine C et au turmeric. Je tente de trouver d'autres boutiques où je vais pouvoir avoir un bon sérum à la vitamine C. Je me suis dit pourquoi pas ne pas prendre une crème, parce que pour moi la vitamine C c'est vraiment un indispensable pour la skincare. Like, j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie, parce que c'est un antioxydant, ça prévient le vieillissement de la peau, ça lutte contre le fait que ta peau soit brûlée contre le soleil, ça donne du glow, de l'éclat. Franchement, moi, tout ce qui a vitamine C, je suis preneuse, tu vois. J'ai acheté un truc qui n'était pas prévu, mais il fallait que j'achète ça, parce que pendant longtemps je cherchais cette marque-ci. J'ai tellement cherché ça dans ma vie, je pouvais pas laisser en fait. En plus, je trouve que c'est ça le bon plan que j'ai fait de la journée. Il s'agit de ces produits-ci, Focus Out. Donc ces produits-ci de la marque BioSilk Therapy. Je vous explique. BioSilk Therapy, c'est une marque capillaire qui fait dans des produits de cheveux qui te permettent d'avoir des cheveux lisses. Je ne sais pas si j'ai bien défini, mais en gros, c'est ça. Genre, je regarde beaucoup de créatrices de contenu américaines et tout, et elles parlent que du bien de BioSilk, surtout du sérum. De base, je voulais que prendre le sérum pour mettre sur mes perruques ou même sur mes cheveux, parce que je les mets souvent. Mais ils vendaient pas ça simple, ils vendaient que la gamme à 3, donc 3 produits à 15 000, sachant que sur le site même de BioSilk Therapy, les 3 produits, on va dans les 40 000, tu vois, vers les 50 000. C'est quand même cher, tu vois, pour eux c'est vraiment une marque de luxe concernant les cheveux, tu vois, un peu. Apparemment c'est trop bien. Troisième paquet, j'ai pris un gel de douche. Comme je vous ai dit, je n'ai plus de gel de douche. J'ai pris aussi ça, Neutrogena. Ici, on m'a vendu ça à... On m'a vendu ça à combien? À 8500. Non, à 7500. Alors que de base, on vend ça à 6000. 4500, entre 4500 et 6000 au Cameroun. Voilà, ici, on m'a vendu ça à 7500. Je vous dis, les premières fois... C'est toujours comme ça. On va t'avoir. Mais après, je vais trouver des astuces. Je vais trouver les bons plans. Si vous avez des bons plans, mettez en commentaire, les gars. Si vous avez des bons plans, mettez en commentaire, s'il vous plaît. J'ai pris aussi le peeling de chez Ordinary, parce que je n'aime pas gommer mon visage avec les gommages à grains. J'aime bien utiliser les gommages chimiques, les exfoliants chimiques. Du coup, j'ai pris ça. J'avais ça au Cameroun, mais on me l'a volé. Là, vous voyez, ça a disparu. Un jogging aussi a disparu. Et je sais qui a pris ça. J'ai pris aussi un gommage comme ça. Ça, c'est le meilleur. Le meilleur. Je dis même gommage. Le meilleur masque de l'univers. Genre, achète ça. C'est trop bien. C'est un masque à l'argile. Genre, tu prends ça, tu mélanges avec le vinaigre de cidre. Tu fais ton masque une fois par semaine, ça va t'enlever les points blancs, sécher les boutons. Ça, il est trop bien. Mais je trouve qu'elle m'a vendu ça cher, parce qu'elle vend ça à 13 000. Alors que moi, j'avais déjà acheté ça ici à Dakar, mais je me souviens plus où, à 8 000. Tu vois? Donc, je trouve qu'elle a gros m'a un peu intubée, mais bon, je voulais pas laisser. J'ai pris parce que ça m'avait trop manqué. Et en plus, quand j'achète comme ça, ça peut me faire même 2 ans, 3 ans. Parce que je me souviens, j'ai acheté ça quand j'étais venue à Dakar en 2019 et c'est fini en 2022. Sachant que je l'utilise une fois par semaine, parce que c'est vrai que mon utilisation est personnelle. Certes, il y a des copines de temps en temps qui venaient faire des masques, mais très rarement. Tu mets 2 ou 3 cuillères, c'est vraiment une grosse boîte quoi. Et tu mets du vinaigre de cidre, franchement, il est trop bien comme masque. Allez taper ça sur Google, Indian Healing Clay. Vous voyez les revues et vous venez me dire. Puis j'ai pris ça,
c'est des rasoirs pour visage. Parce que j'ai envie de me faire un déma planning. On a dit qu'on va faire des soins la semaine prochaine. Du coup, il me fallait des rasoirs pour visage. Et ils sont plutôt qualitatifs. Ils viennent de la marque Sephora. Ça m'a coûté 10 000 la boîte. J'ai jamais acheté des rasoirs à 10 000. Jamais de ma vie. C'est ma première fois. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère quand même des rasoirs. J'espère qu'ils sont vraiment de meilleure qualité que ceux que j'achetais à... Le paquet à 1000 francs là. Ceux que j'ai acheté le paquet à 1000 francs là, c'était pas de bonne qualité. Ça me blessait le visage et tout et tout. Du coup, je me suis dit, il faudrait investir dans la bonne qualité cette fois-ci. Et j'ai pris ça. Surtout que je vois beaucoup de skincare contain sur Instagram qui utilisent énormément la marque Sephora, ce rasoir-ci. Et disent que c'est bien. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, prends. Voilà, prends. Et puis. Ne regrette pas, j'espère que je vais pas le regretter. Et en dernier, j'ai pris une brume. Vous connaissez Puséduction. It's the best. Pour moi, plus séduction, Victoria's Secret, c'est le meilleur. L'odeur du, ça tient, ça sent incroyablement bon, ça sent le sexy, la femme. Puisque ma brume que j'ai est presque finie, c'est déjà presque ici comme ça. Du coup, j'ai pris ça, on vend la brume à 9000 les gars. Un truc que j'avais l'habitude d'acheter à 5000. J'achète à Dakar à 9000. Bref, si vous avez des bons plans, pardon, dites-moi en commentaire. Je sais que pour une première, je me suis fait entuber. Je suis consciente de ça. Que j'ai acheté des produits qui sont trop chers à la normale. Tu vois, c'est, vous devez comprendre que je suis nouvelle. Je ne connais pas encore trop d'endroits. Et ici, ce n'est pas facile de se balader comme au Cameroun et tout parce que le transport est assez accessible. Ici, le transport est cher. Tu vas commencer à beaucoup réfléchir les coûts et tout, tu peux pas te balader juste pour voir, enfin, donc je passe beaucoup mon temps sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des bons plans et actuellement c'est juste les deux boutiques ici que j'ai vu qu'il y avait des produits plutôt intéressants et dont la qualité est fiable parce que souvent il y a des produits mais c'est trop de faux, tu vois un peu. Donc du coup, voilà, par rapport à mon expérience en tant que make-up artiste pour un projet pour le Radisson qui est un hôtel 5 étoiles, c'était trop bien, c'était super bien. J'ai appris plein de choses, j'ai essayé de voir le behind the scenes dans la création de contenu. C'est vrai que ça n'a pas été trop une grande surprise pour moi parce que voilà, je suis quand même une créatrice de contenu, mais j'ai regardé le matériel, j'ai regardé et je me suis rendu compte que j'avais rien en fait comme matériel, mais c'est normal, eux c'est vraiment pour, plus pour un projet très professionnel et tout. C'est vrai que nous aussi on va pas négliger notre projet, tu vois, mais eux c'est vraiment plus, tu vois un peu. Donc ça s'est très bien passé, il m'a fait mon paiement, il n'a pas eu de soucis, il est plutôt très sympa. Et puis il m'a dit que le producteur, il m'a dit que quand il y aura d'autres tournages, il va me faire signe et j'ai hâte en fait. Parce que moi j'aime ça, tu rencontres les gens. J'ai rencontré Fanny Kam qui est une grande TikTokeuse, une grande créatrice de contenu ici à Dakar qui a presque 700 000 vues, 700 000 abonnés sur TikTok. 100 000 quelque chose d'abonnés sur Instagram, genre tu vois qu'elle a quand même de l'influence ici au Sénégal et c'était très intéressant de la maquiller, surtout qu'elle était dans ma wishlist des personnes à maquiller et Dieu m'a exaucé, je l'ai maquillée, on a créé un bon feeling, on s'est changé de contact et j'espère qu'elle et moi on pourra refaire, travailler encore ensemble, faire des looks ensemble et tout. Elle était très sympa, franchement. C'était très très bien, très belle journée, très journée enrichissante. C'était bien de voir des petites filles parce qu'elles sont très jeunes, 20 ans, 21 ans, se battre, toucher des cachets comme ça, les gars. Elle se fait des thunes à 20 ans. Qu'est-ce que toi tu attends en fait? Qu'est-ce que toi tu attends? La go se fait des thunes. Elle m'a juste motivée en me disant Audrey continue en fait, continue et continue, voilà. Parce que
elle se fait des thunes. Et moi, j'ai eu des clients parce que grâce aux réseaux sociaux, tous les clients que j'ai, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc, ne négligez pas l'impact des réseaux sociaux dans votre vie. Et les personnes qui sont sur leur petite chaise, qui critiquent, me calomnient, ben continuez. Les gars, lancez-vous sur les réseaux, ne cachez pas votre talent. Lancez-vous. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de coaching, d'accompagnement, de savoir comment ça marche, d'avoir une stratégie, d'apprendre à créer des contenus, venez sur mon compte Digital Asset où je vais vous accompagner sur votre projet digital. D'accord? J'ai pas envie de trop parler parce que je vous vois déjà en commentaire, on est à trop parler. Donc je vous laisse, je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Bisous.